Bonjour à vous, Ezoul, bon début d'après-midi, j'espère que vous avez bien démarré votre journée. On se retrouve comme chaque dimanche et lundi et mardi de 14h à 15h, ici on commente ce qui nous est offert en matière de culture avec des invités qui viennent nous raconter leur passion. Et ce mardi 19 novembre 2024, eh bien on va parler de cinéma avec le réalisateur Abd Nour Zahzah qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous ce petit moment, évidemment annoncer la sortie de son film. Bonjour. Ça va bien? Je vais bien, merci. Eh ben, ça fait plaisir de vous avoir ici en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3. Merci. Ça faisait longtemps. Oui. Et nous aurons également un coup de fil à Naples, en Italie, où en ce moment même, il y a un vernissage de l'exposition Intemporalité algérienne. Ça démarre du 19 au 23 novembre et nous aurons par téléphone l'intervention de Rachid Nezef. Il est galeriste de Gaïa Art. Voilà. Vous connaissez le programme. On écoute une petite chanson, Mohamed Toualbi à la réalisation. Et puis on revient à vous pour évidemment découvrir et décortiquer le film sur Fanon. Et vous allez être surpris, la distribution a commencé, vous pouvez aller voir dans plusieurs salles de cinéma. La voix de Jamal Hallam qui reprend un texte de Farid Ali, Yaïma Azizun, pour démarrer notre émission. Alors Abd Nour Zahzah, merci d'être en direct avec nous. Votre premier documentaire s'intitulait « Mémoire d'asile ». Vous l'aviez réalisé en 2002 et en 2024, vous revenez avec un biopic sur Fanon, chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique Blida-Joinville, au temps où le docteur Frantz Fanon était chef de la 5e division entre 1953 et 1956. Le personnage semble vous fasciner. Alors, est-ce qu'on pourrait dire comment s'est passé le passage du documentaire à la fiction, Abd Nour Zahzah? Ben, durant le documentaire, avec, je l'ai co-réalisé, Mémoire d'asile, avec Feu Bachir Redouh, docteur Bachir Redouh, psychiatre. Oui, qui avait sauvé à l'époque les archives de l'hôpital de la destruction. Et notamment, il y avait un journal qu'avait créé Frantz Fanon, qui s'appelait Notre Journal, où les malades écrivaient, les médecins et tout le monde, les patients soignants et soignés. Et c'était plein de détails. Et à l'époque, quand j'ai eu ce journal entre les mains, je me suis dit, il y a une fiction. Il y a une fiction à réaliser. Tout de suite, vous avez senti. Oui, déjà à l'époque. Sauf que j'étais très jeune, j'avais pas encore pris conscience ni la maturité, ni le pouvoir de la production, parce que c'est lourd, un long métrage de fiction. Et puis, mais je me suis promis, et donc son heure est arrivée en 2020. Avant d'arriver à Blida-Joinville, j'ai déjà soigné les Algériens en France. Et même avant, je connaissais les Algériens. Mais à Blida-Joinville, nous ne mélangeons pas les musulmans et les Français. Nous y sommes tous joyeusement et gratuitement accueillis. Dans le monde de la psychiatrie, les Poro, Bardona, sont plus connus que votre Tosqueyès qui joue au foot avec ses malades. Allez, monsieur du gouvernement, ils disent qu'il n'y a pas la guerre en Algérie. Ils croient quoi? Que la police, elle va remettre l'ordre tout seul? Moi, je vous le dis, docteur, c'est la guerre. Et quand ils s'en apercevront, ça sera trop tard. Il est où, maintenant, votre docteur envoyé par Dieu? Rien ici ne vous appartient. Visage désespéré, ventre résigné. Et qu'importe si ce pays est beau. Et je préfère m'arrêter là. Un extrait de la bande originale du film. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'extrait Zahzah Abd Nour? C'est le sonore de la bande-annonce, du trailer, qui donne, j'espère, un aperçu sur le film. Oui, sur le film qui va être présenté à la fin de l'émission, vous allez nous dire. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre, Abd Nour Zahzah? D'abord, il est long. Et pourquoi vous avez choisi? Il est très long. Quand vous étiez monté sur scène pour le présenter Parce que ce n'est pas vraiment franchement un biopic. Vous ne le présentez pas comme un biopic pour vous? Non. D'accord. Non, un biopic. Parce que la vie de Fanon, elle est immense. Elle est encore plus riche que ce qu'il y a dans le film. Moi, je raconte que juste son passage à Blida-Joinville. Mais avant, il avait fait la Seconde Guerre mondiale. Blessé, grâce à cette blessure, il a eu une bourse pour faire médecine.
à Lyon, où il souffre du racisme. Il écrit Peau noire mais masque blanc, un livre référence encore sur le racisme. Encore, bien sûr, d'actualité. Aujourd'hui. Et puis, il devient psychiatre avec un grand psychiatre du XXe siècle qui s'appelait Francesc Tosquelles, un catalan, psychiatre catalan. Qui était sa référence dans la psychiatrie pour c'était Fanon. Son maître. Ouais. Qui a amené un nouveau courant qui s'appelait, qu'il a appelé la psychothérapie institutionnelle. Après, il fait comme tous les médecins, c'était un médecin des hôpitaux publics. Donc, il fait un concours et je ne sais pas, par rapport à son classement, on l'envoie à cette ville française de l'époque qui était Blida, parce que l'Algérie était colonisée. Bien sûr. Voilà. Mais pourquoi le titre Abdelaziz? Oui, c'était ça la question. Ma réponse était... Non. Ben, le titre, déjà, je voyais le titre comme dans les premiers films de cinéma où on indique le lieu, l'adresse, l'année, etc. Les films Lumière, c'était ça. D'accord, c'était pour faire référence... C'est ça, Blida Joinville, 5e division, parce que ça parle aux Blidéens et aux anciens de l'hôpital, entre 53 et 56... Et puis, j'ai fait un peu de littérature, chronique fidèle, etc. D'accord. Mais moi, le titre était précis, mais il faut que les gens l'appellent Dr Fanon. Moi, j'ai mis un titre long pour que les gens l'oublient. D'accord. Donc, vous autorisez, en tant que cinéaste, qu'on l'appelle Dr Fanon. Alors, dites-nous, Abdelnour Zahsef, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Arrêter et reprendre votre tournage, racontez-nous. C'était très difficile. Déjà, le scénario, c'était difficile. Bon, ça m'a pris 3 ans. Après, on a eu l'accord du ministère de la Culture fin 2019. Pandémie. Après pandémie. Après pandémie. Et je concevais le film. Le film, il y a des acteurs étrangers. Donc, pandémie, après... Les vols étaient interdits, pas voilà, de... Voilà, à partir de... Alors qu'on devait tourner... mars, le film était programmé, le tournage était programmé c'était pour pic. Mars 2020. Ouais. C'était le pic, c'était la fermeture. On croyait que c'était... Et encore à Blida. Blida, c'était la première ville sinistrée. Tout à fait touchée, qui était fermée d'ailleurs. Qui après. Était fermée, mise sous quarantaine, durant 15 jours. Et puis à l'hôpital. Oui, parce en que plus, j'ai choisi bien comme sûr. Décor l'hôpital. Oui. Et il y avait une ambiance franchement sinistre. D'accord, donc vous arrêtez ou pas pendant... Vous n'avez pas démarré comment ça s'est passé, le déroulé? Je ne m'arrête pas. Donc, on avait une équipe de préparation. Donc, on préparait à fond. Et puis, la pandémie, on croyait au début... que ça allait passer. Ça allait passer pendant l'été. Et puis, septembre, la deuxième vague. Là, j'ai compris que ça va être très loin. Donc, vous vous arrêtez? Oui. D'accord. On s'arrête et on perd espoir, surtout. Mais je ne m'arrête pas complètement parce que j'avais eu l'autorisation du ministère de la Santé, heureusement, de tourner à l'hôpital. Heureusement qu'ils ne me l'ont pas daté. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Donc on donne des autorisations de tournage sans dater. Je pensais qu'on datait, c'était précis. C'était daté, moi j'ai eu une intuition, j'ai dit moi je tourne 4 semaines. Après 4 semaines, on ne sait jamais ce qui va se passer parce que c'est un hôpital en fonctionnement. Donc ils me l'ont laissé ouverte. Et puis j'ai trouvé une association de psychiatres qui ont récupéré le logement de fonction de Fanon. Et donc après, je me suis retrouvé seul dans ce logement de fonction qui est une immense villa de presque 2000 mètres. Et on s'est mis à, parce qu'il n'y avait rien à faire, je me suis mis à la transformer en musée Franz Fanon. D'accord. Donc vous avez au moins rentabilisé votre temps par rapport à ça. Mais quand vous avez dit aussi Abdelnour Zahzah, c'était le scénario, c'était quoi le problème du scénario? Vous avez dit, qu'est-ce qui était difficile? C'était déjà la personnalité de Fanon. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur Fanon. Son statut en Algérie, il a un statut de chéhite. Donc on ne peut pas inventer, tisser, etc. Il faut aller, je veux dire, il y a des faits historiques, il fallait que vous soyez dans l'exactitude. Il fallait que ça soit avéré, oui. Oui, bien sûr, donc c'est un travail. Et puis, le sujet, franchement, il n'est pas très joyeux, parce que c'est la psychiatrie et la guerre. Mais en même temps, c'est du cinéma, il faut que ça tienne les spectateurs au moins 1h30. C'est 1h58.
à peu près. C'est une heure et demie. Une heure et demie. C'est 90 minutes. 90 minutes. Et donc voilà, il y avait beaucoup de... J'ai mis beaucoup de temps. Et puis mon inexpérience aussi. C'est la première fois que j'écris un long métrage de fiction. Donc j'ai fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire. J'aurais pu économiser du temps. Par exemple, écrire seul. Oui. Écrire seul, ça demande... Vous acceptez, ça veut dire vous auriez voulu le co-écrire ? Au moins, il fallait... Échanger ? Échanger. Vous voilà. avez échangé avec l'écriture, personne. C'est comme le tennis. C'est comme il faut que quelqu'un vous renvoie la balle. Oui. Non, j'étais seul. Et en plus, une personnalité comme Fanon Abdennoulzaza. Oui. C'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué. En plus, avec le background, etc. que j'avais. Donc, j'avais beaucoup de choses à raconter. Oui. Et il fallait choisir. Vous avez mis combien de temps pour Abdennoulzaza pour que le scénario soit écrit ? 3 ans et demi. C'est la première fois que vous mettez autant de temps dans vos films pour un scénario. Oui, mais j'espère ne pas renouveler les mêmes erreurs. J'espère pour vous. Alors vous dites, vous avez fait aussi le choix, Abdennoulzaza, de tourner en noir et blanc. Pourquoi ce choix ? Et s'agit-il de nous plonger dans la mémoire et les archives ? Ou est-ce que c'est en rapport avec les écrits de Fanon ou pour d'autres raisons, peut-être ? Pour moi, je... Pourquoi ? Présentation du film. Oui, j'ai choisi le procédé noir et blanc parce que déjà, il s'agit, comme je disais, de psychiatrie. Je me voyais mal, et surtout dans un vrai hôpital. Je me voyais mal de... Quand c'est des sujets, quand c'est des décors comme ça, entre guillemets, pas joyeux, ils vont mieux être sobres. Donc le noir et blanc pour la sobriété. Et, puis, et même techniquement, je pense que c'est moins compliqué. Bien sûr, par rapport aux moyens que j'avais aussi, ça aussi. Mais surtout Fanon, on va dire Fanon, je le voyais qu'en noir et blanc. D'accord. En plus, on n'a pas de photo de Fanon en couleur, donc. D'accord, vous avez fait vos recherches. Je l'ai toujours vu en noir et blanc. En noir et blanc. C'est juste, c'est vrai qu'on l'a pas vu en. Donc c'était pour toutes ces raisons là. Oui. Alors à l'heure où l'Afrique tente de se libérer du néocolonialisme, la pensée de Fanon suscite toujours un vif intérêt. L'avez-vous perçu lors des festivals où le film a été présenté ? Parce qu'avant, on va parler de la présentation qui s'est faite il y a un mois, je pense, non, Abdennoulzaza ? Il y a un mois. Le film est sorti à Berlin. Oui. Un autre festival ? Oui, là, il est passé. Après Berlin, il est passé à Moscou. Mm-hmm. Donc, ça, c'est deux grands festivals. Copenhague, Londres, Barcelone. Paris. En étant avec votre présence ? Vous l'avez... Ma présence, oui. Moscou, je ne suis pas allé. D'accord. Non. Alors, comment c'était perçu ? Copenhague. Mais j'ai été à Londres et New York deux fois. Ils l'ont montré deux fois. Déjà, c'était salle pleine. Partout, c'est salle pleine. Le nom de Fanon. Oui, bien sûr, parce qu'ils ne connaissent pas le film. Oui. Ils viennent pour le nom de Fanon. Ils connaissent après Abdennoulzaza. Après, le film, ils le connaissent 90 minutes plus tard. Et donc, Fanon est très connu maintenant, notamment dans les universités. Il est enseigné. Il est beaucoup enseigné les études postcoloniales. Et ça a commencé aux États-Unis et ça c'est maintenant dans toutes les universités américaines. Et puis l'actualité. L'actualité de l'état du monde. Palestinien. Gaza notamment et la colonisation. Bien sûr. On en souffre encore de la colonisation qui n'est pas encore incriminée. Bien sûr. C'est pas encore... Donc les débats ont été... Oui, ça dépend des pays. Ça dépend des pays, les débats. Après, il y a des pays où c'est très codé, c'est très... Mais les gens viennent pour ça, pour se déculpabiliser. C'est ce que j'ai senti, notamment à Berlin. Oui. Donc, il y a des rires nerveux, il y a des... Après, à Berlin, il est passé 5 fois. Dans les cinémathèques des cartes. Dans les salles de Berlin. Dans les salles de Berlin, salles, d'accord. Et c'était plein à chaque fois. Il passe beaucoup C'est l'usine un peu, le Festival de Berlin. Oui. Mais ils l'ont classé dans quelle catégorie, votre film sur Fanon, Abdennoulzaza ? Comme un nouveau, surtout, il y a eu des articles de cinéma déjà, comme un nouveau langage de cinéma. C'est parce que tourner une fiction dans des vrais lieux... dans des lieux et authentiques. Dans un hôpital psychiatrique, surtout. Comme on dit au cinéma, dans des décors naturels, où a évolué Fanon. On a tourné dans sa maison, dans ses bureaux, dans,
dans ses services. Dans son espace, oui. Dans son espace, mmh. C'était un peu nouveau. Mmh. C'était un peu nouveau. Les gens étaient curieux de voir ça. Mmh. Parce qu'ils connaissent Fanon, mais ils ne connaissent rien sur l'Algérie. De son épisode en Algérie. C'est ça. Mmh. Alors que Fanon, il n'est que psychiatre. Fanon, la base de sa pensée, mmh. de tout ce qu'il a écrit et entrepris, et même en étant un politique au gouvernement provisoire, mmh. au GPRA, c'était basé sur la psychiatrie. Mmh. D'ailleurs, c'est pour la psychiatrie qu'il a rejoint la révolution algérienne en disant qu'il... Je rappelle un peu aux auditeurs, oui. la lettre de démission, mmh. il disait « ça ne sert à rien de soigner des gens s'ils se retrouvent une fois guéris dans un environnement pathologique, mmh. qui est la colonisation ». Donc, lui... Il était très avant-gardiste. Oui, c'est fou. Il fallait le faire, Bédéa, mmh. parce que quitter tout son confort de médecin-chef... Ouais, ouais. Nommé par décret ministériel, mmh. Jeune marié, oui. avec un jeune bébé, oui. pour rejoindre la résistance, ça veut dire la clandestinité, mmh. Mmh. il fallait le faire. Il fallait le faire, et puis ce courage de venir, déjà dès le départ, on voyait qu'il n'était pas la bienvenue. L'équipe oui. médicale hein, qui était installée, il y avait tout de suite les messes basses. Hein. Bien sûr, oui. on va rappeler l'hôpital psychiatrique de Blida Joinville, oui. comme c'est dit dans le film, plus oui. grand hôpital psychiatrique de oui. l'Afrique mmh. de l'époque. Était construit selon les théories racistes de l'époque de l'école d'Alger de psychiatrie. Ouais. Et l'école d'Alger de psychiatrie d'Antoine Porot et Bardonnat, qui étaient des militaires, mmh. les premiers médecins étaient des militaires, mmh. c'était des colonisateurs, ouais. Colonisateurs actifs. Ils ont catégorisé le Nord-Africain mmh. Et l'Algérien comme un être biologiquement, oui. parce que c'était ils voulaient des bases solides et mmh. biologiques, etc., et qui malheureusement résistent. C'est ça la base du racisme, que l'Algérien n'utilise pas la totalité de son cerveau pour mmh. réfléchir, bien sûr. Etc., et qu'il est impulsif, mmh. de par nature, mmh. voleur, voire violeur, ouais. Tueur, violent, etc. tueur, oui, c'est bien ça. Sûr, c'était... C'est en ça, tout quoi, cas, on l'a bien senti dans les passages. C'est très difficile de lire, que... de lire maintenant, des... parce que ça existe, c'est mmh. des écrits, c'est, mmh. des... c'est très difficile mmh. de lire maintenant, c'est insupportable de lire... Mmh. Est-ce qu'il y a eu des livres précis de Fanon qui vous ont accompagné dans l'écriture du scénario de Nos Affaires? Bien sûr, dans mmh. le scénario, c'est simple. J'ai raconté son entreprise à Blida Joinville, qui, rappelons-nous, aujourd'hui porte son nom. Il porte le nom de François Fanon. Ouais. Et sur le cinquième chapitre de son dernier livre, Les damnés de la terre, qui s'appelle Guerre coloniale et troubles mentaux. Ouais. Et là, il a reçu. Déjà, il a changé une loi à oui, l'hôpital. Oui, tout à fait. Il a expliqué. J'ai essayé d'expliquer dans le oui. film, parce que avant, on admettait les malades sur décision du préfet. Du préfet de la, du préfet. Maire, on va dire du maire. Oui, oui, du ouais. préfet. Préfet, ça veut dire la police. Oui. Et le médecin-chef n'avait pas. Et surtout, on signait aussi les sorties de malades mmh, par mmh. décision préfecturale aussi mmh. du préfet. Donc le médecin, il était là pour comme un animateur tout de colonie de vacances. Oui, voilà, il n'avait pas besoin de donner son... Non. Et lui, Fanon, quand il débarque, il change tout ça. Il change tout ça On ne va pas une tout ruse. Raconter dans le film, mais avec intelligence, oui, voilà. Avec une ruse, il oui. crée l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, il rencontre la famille des malades. Et l'hôpital de jour, il donne le pouvoir au médecin mmh. d'accepter des malades. Mmh. Et c'est avec cette ruse qu'il admettait les malades de la Halane, mmh. les moudjahidines qui ouais. souffraient, etc. Bien sûr, qui racontaient leur traumatisme. Exactement, et avec envoyait... de fausses identités. Ouais. On a trouvé plein de... Il y a plein de... Mmh. Dans les archives de l'hôpital, mmh. ça Ça existe. Devait être que souffrance quand même lors de ce tournage, non Oui, oui, bien c'est, sûr. C'est... Oui, c'est Parce lourd. Parce qu'on remonte des choses c'est très ça. Lourdes à porter. C'est lourd, c'est lourd. C'est, des... ouais. c'est, ce que... Mais c'est, le... c'est pour ça que j'ai fait ce film. Oui. Parce que je pense qu'il il fallait mettre le doigt sur ce que disait Fanon, que les traumatismes de... Parce que c'était dur la colonisation en Algérie, on ne le rappelle jamais assez. C'est 130 années, je pense, mm-hmm. c'est la plus longue dans l'histoire. La plus longue, tout à fait. La plus... Et ça a laissé des traumatismes mm-hmm. et on en et a on continue, 30 je veux ans dire, transgérationnel. Après, il y a eu beaucoup de violences en Algérie tout qui ont fait. Un lien pour moi, en tous mm-hmm. les cas. Mm-hmm. Et quand on lit Fanon, ils ont un lien direct mm-hmm. avec les violences qu'a eu... Bien sûr, lors de la décolonisation. Est-ce que vous avez travaillé également, j'imagine, vous
vous l'avez dit, parce que vous avez remercié, par exemple, on va dire, Metari, psychiatre, chef de service. Vous avez travaillé avec les gens des équipes qui sont encore là-bas et qui connaissent un peu le travail de Fanon. Bien sûr, ils m'ont beaucoup aidé, parce que l'autorisation du ministère de la Santé, elle ne suffit pas. Il faut après l'autorisation de la direction, de l'hôpital, qui ne suffit pas non plus. Après, il faut celle des médecins-chefs. Ouais. Et en psychiatrie, le médecin-chef, il a tous les pouvoirs. Ce qui peut vous dire, j'ai un malade, s'il voit la caméra, il a des tentatives bien de suicide. Bien sûr, oui. Et puis comment rentrer dans ce service? Donc il fallait prendre la responsabilité que pas tous les médecins, je les comprends les autres qui ont refusé, mais il y en a qui ont joué le jeu. Oui, que je peux citer, docteur Ben Sharif. Metari, Ben Mesraoud, qu'on salue, Dalila Ben Mesraoud et Khadija Bessedir, ils ont collaboré. Bien sûr. C'était pas évident. Non, mais j'imagine, la mémoire quand même est un film sur Fanon. Voilà. Alors, il y avait aussi, moi j'ai apprécié un passage où vous nous avez fait découvrir, et on va en parler, le rôle de Abdelrahman Aziz. Si vous permettez, vous allez réagir juste après ça. Aziz Yanasana Habit, ça c'est spécialement dédié au rôle et c'était important de le voir vraiment. Merci Abd Nour Zahzah de nous l'avoir montré, comment il était avec les malades et c'était la chanson sur le Mouloud, Adam Mouloud Nbi. C'était un moment magique, je vous assure, parce que jamais on l'avait vu, c'est des archives, vous les avez, vous avez eu droit et vous nous l'avez partagé dans votre film. Non, on oublie souvent Abdelrahman Aziz, bon, très connu comme... grand chanteur national, moderne, tout à fait. Moderne, avec des instruments modernes, etc. Il avait de l'allure. Oui, et on oublie qu'il gagnait sa vie en tant qu'infirmier. Infirmier, tout à fait, à Blida. Oui, recruté par Frantz Fanon lui-même. Oui. Il était au scout à l'époque et Frantz Fanon l'a recruté. Parce que Fanon avait compris que pour soigner les malades musulmans, comme on disait à l'époque, il fallait les reconnecter avec... Leur environnement bien sûr, émotionnel. Et quoi, il n'y a pas mieux que la chanson. Que Abdelrahman Aziz. Et Abdelrahman Aziz. Voilà, il est entouré d'un bon petit café, avec le petit café de l'hôpital, où on payait avec une pièce symbolique, j'imagine. Enfin, tout ça. Non, mais j'ai des témoignages, il faisait du théâtre au malade mental. Il paraît que c'était. Quand on voyait le malade mental. Les patients de l'hôpital sur scène, ils oubliaient toute leur maladie, on dirait. Non, il a fait un très beau travail. Il est resté fidèle, même après jusqu'au bout, départ. Tout à fait. Même quand il a pris sa retraite, il repartait. Il aimait beaucoup son travail comme infirmier, Abdelrahman Aziz. Et puis chanter aux malades et les réunir, je trouve ça magnifique. Chanter aux malades, il les faisait chanter. Il les faisait chanter. C'est une thérapie. Et il apprenait l'arabe à Fanon. Parce que Fanon, la difficulté qu'il a trouvée à Blida, c'est qu'il ne parlait pas la langue des patients directement. Il avait toujours besoin de Donc il a commencé à apprendre l'arabe avec Abdelrahman Aziz pour pouvoir communiquer directement sans intermédiaire avec les malades. Rappelons, c'est Salim Dada qui joue le rôle de Abdelrahman Aziz. Il l'a très bien interprété. Voilà, c'est son premier rôle, il m'avait dit. C'est son premier rôle. C'est un musicien, il y a quelques traits de ressemblance. La grandeur de taille, je dirais. C'est ça. Un peu la chevelure. C'était un bon casting. Il a la même guitare. Il a la même guitare que celle de Abdelrahman Aziz, une guitare espagnole comme ça. Et il a très bien interprété. Alors, le choix de l'acteur qui incarne le rôle de Frantz Fanon, il s'appelle Alexandre Desanne. Est-ce qu'on le prononce comme ça? Desanne, avec deux S, vous l'écrivez. Desanne a été, mais il y a aussi d'autres actrices et acteurs qui ont été remarquables. Comment s'est fait la direction d'acteur, surtout dans cet environnement psychiatrique? Vos comédiens avaient-ils des appréhensions? Avaient-ils peur? Comment ça s'est passé, le tournage? Je les ai pris un peu au dépourvu. Et les comédiens. Vous n'aurez pas. Comédiens et les techniciens. Parce que de l'extérieur, on a toujours une idée romantique sur les hôpitaux psychiatriques. Oui. Donc, ils étaient d'accord. Alors, vous leur avez. Dès le départ, vous leur dites on va tourner dans un pavillon de psychiatrie. Nous étions déjà installés dans l'hôpital. Notre quartier général, c'était la villa de Fanon. Oui. Et puis, donc, on était à l'hôpital, mais les services de l'intérieur, ils n'avaient jamais vu ça.
Et ils étaient, il y en a qui étaient choqués complètement, oui, des techniciens. Ils ont eu du mais mal. Après, mais en même temps, ils savaient qu'ils étaient dans le vrai. Oui. Alors, il y avait des vrais malades Oui, tout au fond, bien sûr. Donc, vous avez mis vos comédiens avec les vrais malades. Oui, non, pas dans le film. Pas dans le film. Il n'y a pas de vrais malades. Non, on n'a pas le droit. Avez... Non, okay. non, on n'a pas le droit. Vous avez pris quelques. C'est interdit. Voilà. Très interdit. On demande à la famille, comme, ouais. comme la... Non, on peut demander aux malades. Ouais, parfois, ouais. C'est pas, on me l'a, j'ai demandé. Ouais. Il faut le consentement, bien sûr, du malade et de, quand il a, bien sûr, le pouvoir de discernement et de son médecin-chef. Mais après, c'est pas des comédiens. Oui, c'est ça. Parce qu'ils fatiguent, il faut qu'ils aillent faire la sieste, etc. Non, non, on peut pas attendre. Il y a tout un rituel. C'est ça. Alors, comme c'est l'instant culture, si vous permettez, dans quelques instants, on va avoir un appel à notre galeriste. Mais je reviens vers vous. Alors, le choix de l'épouse de Fanon, le choix de l'acteur lui-même. Comment ça s'est passé, Alexandre? Vous l'avez casté comment? C'est vous le connaissez, vous l'avez suivi? Non, 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 c'était très difficile. Je cherchais le Fanon. Il est beau, hein? Ah, oui, 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 il est franchement, beau. Franchement, il est beau. Et... c'est la tête. Enfin, on n'a pas, moi, c'est pas notre génération. On n'a pas connu. Enfin, non, mais vraiment, la ressemblance est belle. Il y a une ressemblance, et puis humainement, il est très beau. Oui, tout à fait. Très, on le sent. Oui, oui, il était très engagé dans le rôle. Engagé, très... et puis dans la modération, dans le jeu de rôle et tout. Oui. Il n'y avait pas d'excès. Oui. Parce que c'est dur quand même d'incarner Fanon, je dirais. Bien sûr, bien sûr. Et surtout un Fanon qui travaillait. Fanon, déjà, il jouait un rôle. Oui. Je veux dire le médecin. Oui. Les médecins jouent un rôle oui. à l'hôpital pour qu'il soit médecin. Mmh. Voilà. Vous avez eu du mal ou pas? Et donc il a joué un double rôle. Un le double rôle de Fanon et le rôle du médecin. Oui. Vous avez eu du mal ou pas? Vous allez nous le dire dans quelques instants. Mettez votre casque. C'est l'instant culture, si vous permettez. On va du côté d'Italie, où il y a une exposition qui vient d'avoir le vernissage. C'est passé il y a quelques instants. On a un direct avec nous, monsieur Rachid Nezef. Bonjour, vous êtes galeriste de la galerie Gaia Art. Alors, une exposition qui parle d'intemporalité algérienne. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être en direct avec nous. Alors dites-nous, qui sont ces artistes peintres qui exposent? Nous avons plusieurs générations d'artistes peintres. Nous avons Mohamed Arsour, Abdallah Ben Hanter, nous avons Stambouli, bien sûr, nous avons Bouzid. Nous avons un palmarès assez important avec la jeune scène algérienne, avec El Maya, avec Bardi. Voilà, mais nous sommes axés surtout sur, comme vous l'avez dit, l'intemporalité algérienne. C'est-à-dire toutes les générations confondues dans la peinture algérienne. Dans la peinture et aussi dans l'artisanat ou dans l'histoire berbère, dans l'histoire algérienne, Touareg, Mzabi. Non, on essaye de représenter toute l'identité et toute l'histoire de cette nation. D'accord. D'accord. Alors, cette exposition dure du 19 au 23 novembre. Est-ce que pour ceux qui sont du côté de Naples, hein, c'est ça, ils pourront faire un tour pour donner-nous le lieu la galerie? Bien sûr. En fait, il est fait dans un ancien couvent dominicain que la mairie de Naples a loué. Au service consulaire et elle s'appelle San Domenico Maggiore. D'accord. C'est un grand espace culturel classé du 12e siècle avec un lieu d'exposition qui est dédié, qui n'est pas un lieu de religieux. Qui est pour une exposition de peinture. Mais comment ça s'est passé alors le vernissage, monsieur Rachid Très Nezef bien. Très bien. Bah, on a eu les officiels italiens, le maire, le préfet, les attachés culturels locaux, et ils ont apprécié et ils ne connaissaient pas notre réelle identité. Oui, alors il y a eu un intérêt peut-être particulier, on va dire, votre préféré, un tableau ou un artiste peintre qui a plus interpellé que les autres peut-être? Oui, je pense que c'est El Maya, les Moudjahed. Ok, eh ben, on les salue de jeunes. Je veux dire, ça va être la relève des artistes peintres hein, algériens. C'est ça, on n'est pas une nation morte, on n'est pas une nation naissante, on est une vieille civilisation. D'accord. Et on l'exprime à travers cette exposition et à travers nous.
D'accord, du 19 au 23 novembre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres expos que vous préparez? Vous êtes galeriste, mais en même temps, vous êtes collectionneur. Et votre message, à chaque fois, vous le dites à la Chinezef, c'est de faire découvrir et connaître à travers le monde notre patrimoine et notre peinture. Bah oui, c'est comme moi, je suis né en dehors de nos frontières. Mmh. J'ai eu du mal à approcher, en fait, qui on était, à part le circuit familial. Mmh. Donc, j'ai vu qu'il y avait peu de connaissances et peu d'endroits où on pouvait connaître notre histoire et notre identité. Mmh. Et c'est un manque pour la construction de tout le monde. Bien sûr. Donc, le fait d'être à l'étranger et de pouvoir montrer aux expatriés ce qu'on trouve facilement en Algérie, mais mmh. tout le monde n'a pas accès, où tout le monde ne peut pas voir, faute de temps, le travail, faute de jeunesse, que sais-je. Donc celui résidant à Alger ou ailleurs, c'est relativement facile d'aller dans un musée, voir nos œuvres, voir nos moudérites, voir sentir la musique, sentir tout, en fait, les affiches, le cinéma. Oui. Mais à l'extérieur, comment voir un beau film algérien, comment découvrir le cinéma algérien, la littérature algérienne. Peut-être que vous allez lancer une invitation à Abd Nour Zahzah, qui est en direct avec nous pour le film sur Fanon. Bah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et bah écoutez, il l'a présenté à Berlin, il l'a présenté à Londres, à New York. Et là, peut-être, pourquoi pas, du côté d'Italie, non ? À Turin. Ah, il l'a fait à Turin. Voilà, peut-être Naples. Qui sait ? Eh bien, à l'antipode, un peu plus loin. Il reste peut-être 700 kilomètres. C'est bien. Eh bien, l'invitation est lancée en direct. Merci beaucoup. Je rappelle, est-ce qu'on si pourra... Si je peux me permettre... Allez-y, bien sûr. J'aimerais vraiment remercier Ahmed. Si Ahmed, un grand homme qui m'a appris beaucoup sur la culture algérienne. Qui est un grand monsieur qui a une collection magnifique de bijoux et qui m'a appris à les connaître et à les apprécier. Mmh. Et aussi à Hamza, un amoureux des tableaux et de l'art. D'accord, voilà, et bien écoutez... C'est vraiment des gens qui m'ont appris et qui sont fiers d'être algériens et qui collectionnent en Algérie. Voilà. Et qui se battent pour protéger notre patrimoine. Écoutez, on a tellement de belles choses, vous avez raison, il faut les faire découvrir. Merci beaucoup, monsieur Rachid Nzef. Je vous en prie. Voilà, quand vous serez de passage, voilà, à vous aussi, et puis bonne exposition, allez-y. Merci. Faites connaître, même le titre de l'expo est pas mal, hein, j'aime beaucoup l'intemporalité algérienne. Merci. Merci, Bislama. Prenez soin de vous. Merci, Bislama. 14h45, l'instant culture, donc après avoir fait un tour pour l'expo. Voilà l'invitation. Donc même en Italie, il a fait un tour, le film sur Fanon. Oui, il y a une association, France Fanon, en Italie. Ok. Très active de psychiatres, anthropologues, etc. Oui. Alors on revient sur le choix juste peut-être de Fanon. C'était difficile, c'est un acteur, quelle formation? Est-ce que c'était la première fois qu'il incarne? C'est un acteur, mais c'est Damien Ounouri, le réalisateur. Ok. Il m'a dit, Abdenour, est-ce que tu as trouvé ton Fanon, ok. Etc. Et le contact, et tout de suite, c'était le... Et tout de suite, j'allais caster un acteur à Paris, et donc je me suis dit, bon, je vais voir celui que m'a conseillé Damien. Ouais. Et finalement, c'était lui, le bon. Il a des origines des Antilles, Il est haïtien d'origine. Oui. Parce que ils sont atypiques. Mm-hmm. Et puis il connaissait Fanon et il était acteur, donc. Donc tous réunis. Il était un peu surpris. Oui. Et voilà. Alors quand on se rappelle de toutes ces, il y avait des difficultés, vous avez dit, parce que c'était la pandémie pour démarrer, mais après, je pense que c'est lors du tournage où c'était un peu plus compliqué, non? Non, c'était parce que. Comme je vous ai dit, on a fait une première préparation. Ça veut dire, quand on dit préparation, c'est j'avais un premier casting. D'accord. Donc le casting était fait, mais entre le premier et le vrai tournage, bah, les acteurs, ils étaient démoralisés, ils ont abandonné un peu ils sont sortis du projet. Donc c'est difficile pour eux. De les maintenir, bien sûr. C'est ça. C'est ça. Donc il fallait refaire un autre casting. Mmh. Et on en a fait deux ou trois, avec l'aide de l'agence Wujo. Et ça, c'est dur. Hein. Parce qu'il fallait des acteurs, au fait, le film, le sujet du film, il se passe du côté du colonisateur. Ouais. On est dans une institution française. Mm-hmm. D'habitude, quand on parle
la guerre de libération, on est avec les Algériens, mmh. avec les Moudjahidines, etc. Mais là, il fallait expliquer la colonisation de l'intérieur. Donc, il fallait un maximum de types français. Et il n'y en a pas beaucoup en Algérie. Mmh. J'ai casté en Algérie, ce n'étaient pas des acteurs, mais ils m'ont aidé, comme Mathieu Balvé, qui enseigne dans un lycée à Alger, et un autre, Nicolas. Et puis, il fallait des acteurs professionnels. Oui, c'est ça. Ils étaient très nombreux, oui. parce qu'il fallait peupler un hôpital. Donc, on a créé un autre hôpital avec le directeur, les médecins-chefs, les infirmiers et les malades, et même les familles de malades. Les familles de malades, oui. Et c'est ça qui donne un peu l'impression qu'on est dans un documentaire. Oui, tout à fait. Donc, ils étaient très, très nombreux. Et en Algérie aussi, l'Algérie, c'est vaste aussi. Ils venaient de partout, d'Oran, de Batna, de bien sûr. C'était des tournages de quelle heure, Abdennour Zahzah? Des tournages de quelle heure? 14h, vous commencez à quelle heure, vous finissez à quelle heure? Non, on ne pouvait pas commencer, on ne pouvait pas finir trop tard parce que c'est un hôpital. Donc en plus, vous êtes... Okay. C'est ça, ben oui. Ouais. Donc il fallait commencer tôt le matin, ça veut dire qu'il fallait être là 6h, 7h pour commencer à tourner 8h à peu près et finir à 6h. On ne pouvait pas faire plus. D'accord. Et je n'ai pas de tournage de nuit parce que finalement, c'est un film sur le travail. Ah oui, c'est des horaires de travail. Et merci. D'accord, voilà. D'accord. Alors, on peut continuer pour dire, le film va distribuer, donc la sortie. La sortie, c'était il y a un mois, enfin, présentation au grand public. Oui. En avant-première, à la salle Ibn Zaydoun. À la salle Ibn Zaydoun, et le film va sortir, donc, distribué par qui? Par MDCiné. Oui, MDCiné. Donc, alors, vous serez dans quelle salle, Abdennour Zahzah? Donc, il sort normalement, oui. Oui, bien sûr, le 29 novembre. À Alger, dans quatre lieux. Oui, allez-y. Donc, Riyad al-Fetr, salle Ibn Zaydoun et Cosmos, et puis salle Ibn Khaldoun à Alger Centre, et le multiplex de Garden City à Chiraga. Ok. Et puis, il sort à Oran au multiplex Cinégold, que je ne connais pas, à Senia, et le complexe cinéma AZ Grand Ciné. D'accord, c'est à partir du 29 novembre. Et à Constantine, à la salle Ahmed Bey, le Zénith. D'accord. Vous allez le suivre ou pas? Comment le programme se déroule? Oui, bien sûr. Je vais essayer de, au moins une fois à Oran, une fois à Constantine. Alors à Alger, la première présentation, quand vous l'avez faite, quel écho avez-vous eu, Abdennour Zahzah, pour votre première fiction? Ça m'a fait plaisir. Il y avait de toutes les générations. Oui. Il y avait des gens, même des gens qui ont connu Fanon dans la salle. Et puis, il y avait des politiques, des journalistes, alors que la presse n'était pas conviée. Oui. Donc, c'était par plaisir. Pour une fois qu'on a... Oui. Si, on a invité par plaisir. Bah. Et puis, il y avait les médecins, beaucoup de médecins. Qu'ils soient à la retraite ou notamment, je pense à Madame Chitour, à la maman de mon distributeur, Yadi, Ali Yahya, docteur Ali Yahya. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était. Mais comment maintenant, comment on se sent, comment on se sent après avoir la première présentation de votre première fiction? Est-ce que quel retour, vous, votre regard a sur ce film qui est donné au public? Je crois j'ai eu beaucoup d'appréciation. Il a eu bon écho. Oui, mais beaucoup, ils étaient un peu restés sur leur faim. Ils auraient aimé voir Fanon quand il a rejoint le FLN. Oui, c'est ça, parce qu'on reste... Pour moi, c'est très connu. Pour moi, c'est très connu. C'est un film où j'incite aussi les spectateurs à aller lire et à aller découvrir Fanon de lui-même. Moi, je fais toujours... Vous avez pris une tranche de sa vie, elle est bien précise. C'est ça. Vous n'aviez pas au-delà, parce que le film aurait duré plus longtemps. C'est ça. Mais aux États-Unis, on me l'a dit. On m'a dit, normalement, c'est... Vous avez fait une moitié d'un film. Les États-Unis, ils adorent les films de 3 heures. Oui, etc. Maintenant, il paraît que ça revient à la mode. On se dit, c'est beaucoup. Oui. Mais finalement, 2-3 heures, c'est. Oui, alors, rappelant aux auditeurs et aux auditrices, alors, il est en noir et blanc, c'est 1h30. Il est présent. Il est présent donc à la salle Ibn Khaldoun, à la salle Ibn Zaydoun, distribué par. Chiraga, Oran et Constantine. À Garden Chiraga, Oran, Constantine. Votre distributeur va le présenter un peu partout à partir du 29 novembre. Oui. C'est ce que vous avez dit. Ça serait,
On se remet tout de suite à faire un autre film, Abnour Zahseh. Vous avez dit sur scène, quand vous l'avez commencé à le présenter, il est difficile de faire du cinéma en ce moment. Oui, c'est très difficile, oui. Très difficile, parce que nous manquons de... D'abord les financements, c'est d'abord... Si, les financements existent en Algérie. Les financements existent. Mmh. Ça n'a jamais été un problème de financement en Algérie, le cinéma. Moi, je le dis, parce que beaucoup... Mais souvent, peut-être qu'on ne donne, donne pas au bon réalisateur. Ah, ça, je ne sais pas. Le choix, il faut choisir. Le choix. Oui, tout à fait. Que ce soit la chanson ou le... Il faut tout le temps choisir, surtout le cinéma, parce que c'est très cher. Donc, il faut vraiment préciser ses choix. Oui. De tout, on choisit le sujet, le réalisateur. Le fait de tourner en noir et blanc, est-ce que ça a été moins cher? Ça a moins coûté pour le film? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même coût. C'est le même coût. Sauf que, bien sûr, j'aurais aimé... Quand je dis il y a des financements, on n'est pas dans l'opulence. On n'a pas les mêmes salaires. Les techniciens algériens n'ont pas les mêmes salaires que les techniciens... Et les réalisateurs, et les cinéastes, et les producteurs, c'est pareil. Hein. Le réalisateur est un technicien. Un technicien, tout à fait. Je parle de tout le monde. Et les acteurs, surtout. Ouais. Les acteurs en Algérie, ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches. Ils attendent un film. Ils sont payés par cachet par rapport aux journées de travail, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc ça, c'est dur. Les autorisations, l'attente, les autorisations, l'attente. Oui. Et puis, il y a eu quand même... vous savez, il y a un changement de génération. Il y a une nouvelle génération, mais qui n'ont pas beaucoup pratiqué. Donc, les anciens sont partis à la retraite ou ils sont plus de ce monde. Et moi, ce que j'ai constaté, nous manquons de techniciens de cinéma. Dans beaucoup de domaines. Il y en a il y a des parce qu'il y a, on y a va plusieurs dire un secteurs ingénieur dans le de cinéma. Son, un monteur. Oui, par exemple, le son, quand c'est polyphonie, quand il y a beaucoup d'acteurs, c'est un peu compliqué. De chef décorateur, de chef costumier. Il y a un manque. Mais si il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, ça existe, heureusement, il y en a de très bons. Mais si on n'est pas... on ne peut pas tourner 4 films en même temps. C'est ça le problème. C'est ça, mais le problème. Si on n'est pas passionné, Abnour Zahseh, c'est quand même dur de résister. Parce que c'est quand même de la résistance. Hein, oui, de faire sûr. Un film. Ah oui, c'est miraculeux. Moi, c'était très, très dur. À un moment donné, j'allais abandonner. C'est très dur. C'est très dur. On se dit qu'on ne fera plus de films. C'est pas possible. Dès qu'il y a eu la présentation, oui, et d'ailleurs je vous sens après la présentation, Abnour Zahseh, après la présentation, je vous sens maintenant un peu plus serein. Ça y est, parce qu'il va être dans les salles. Ah oui, ça c'est un aboutissement, parce qu'il faut rappeler que les films sont financés par l'argent public, donc il faut les rendre au public. Il faut rendre des comptes. Exactement, c'est ça. Et ben, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de succès, donc il y a deux ou trois pour avoir un prix ou quelque chose, où est-ce qu'il va aller le film? Ah, parlé de FESPACO pour février. La semaine après-demain, je vais le présenter à Paris. Ok, dans quel cadre? Le 22. Il fête le 70e anniversaire de... Nous fêtons. Donc, il continue, je dis... Ah, vous allez au Centre culturel algérien tout à fait, de Paris. Oui. Donc, vous allez le présenter là-bas. Oui. Et après, le festival de Carthage. D'accord. Au mois de décembre. Vous espérez un petit... Les prix, quelque chose. Est-ce qu'on espère quand on fait un film? Il a eu déjà un prix à Annaba. Comment on l'appelle, ce prix-là? Moi, j'attends pas. Moi, le prix, c'est quand je vois des salles pleines partout. Et surtout, les sorties. Le film sort, quand il est... Et quand vous dites, salle comble. Quand il vit, il survit au temps qui passe. Par exemple, à la fin novembre, je montre à Bordeaux Mémoire d'asile. C'est extraordinaire. C'est un documentaire. Ça veut dire qu'il est encore vivant. Et c'est ça le meilleur prix. Eh bien, écoutez, je suis d'accord. Et puis vraiment, on souhaite une grande et belle sortie pour votre film sur Docteur Fanon. Abnour Zahseh, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes réalisateur, cinéaste. Vous êtes venu nous parler de votre dernier et tout premier film de fiction. Ça sera le prochain fiction ou pas?
Oui, j'espère que ça sera fiction, mais c'est des sujets difficiles. Mmh. Ça va prendre beaucoup de temps. Bah, en tout cas, je vous souhaite. Faites-nous des films, ça nous fait rêver. Merci à Abnour Zahzah, merci à Mohamed Toualbi qui a réalisé l'émission. Merci à l'équipe donc technique et puis à la régie. L'émission est podcastable sur Radio Algérie chaîne 3. Elle est aussi en streaming. Merci à vous, chers auditeurs. Allez-y, regardez le film. Il est très beau, ça en vaut le détour. Et c'est quand même Fanon. Yemnach.